Plus de 1500 armes à feu et 100 000 munitions sont passées entre les mains des criminels depuis hier mardi. Ce sont les déclarations du service de sécurité ukrainien, le SBU, qui a lancé une opération antiterroriste. C'est inacceptable de parler des valeurs européennes et d'un nouveau niveau de développement pour l'Ukraine, a déclaré le Premier ministre par intérim, et en même temps de sacrifier des vies humaines, de détruire l'État et les biens des citoyens, de brûler leurs voitures et leurs appartements, de faire honte à notre pays sous les yeux de la communauté internationale. Les groupes extrémistes et radicaux menacent par leurs actions la vie de millions d'Ukrainiens, a rajouté le SBU dans son communiqué. De leur côté, les manifestants affirment que le gouvernement a embauché des snipers pour tirer sur la population.